Stop. Coupez. Des tartes? On est dans un western et il se lance des tartes à la crème. Hé, hey, moi je ne suis que l'assistant. Le réalisateur voulait des tartes, alors j'ai mis des tartes. Qui est le réalisateur de ce film? J'exige de lui parler immédiatement. On demande le réalisateur sur le plateau. T'as déjà vu un film de cow-boy avec des tartes, toi? Et depuis quand jette des tartes à la crème dans un film de cow-boy? Oh, salut Nermal, les tartes, ça se mange. Où est le réalisateur? Je suis le... C'est le tout premier western que je tourne et ils m'ont collé dans les pattes un réalisateur débutant qui n'a apparemment aucune expérience. Eh bien, en fait, Garfield... Je ne peux pas travailler comme ça. Où est le réalisateur? Eh, voilà, c'est bon, on est prêt pour tourner la séquence suivante. Toi? C'est toi le réalisateur? Il faut croire. Je démissionne. Non mais attends, attends. Tu veux pas entendre mes nouvelles idées trop géniales pour le film? Ça m'intéresse pas, à moins que t'aies prévu de faire expédier le réalisateur au pôle Nord. Tu sais, je me disais, c'est un peu démodé les westerns, non? C'est normal, Nermal. C'est supposé se dérouler dans le passé. Exactement. Alors j'ai pensé qu'on pourrait rafraîchir un peu le concept avec des zombies. Il est où mon zombie? Et des guerriers ninjas. Ils sont où mes ninjas? Venez sur le plateau. Ils sont super, non? T'imagines pas le nombre de ninjas que j'ai auditionnés avant de les trouver. Nermal. Et pour leur contrat? Est-ce que tu sais ce que c'est que de négocier avec des ninjas? Leur agent est un samouraï, mais ils veulent le coup, hein? Ce sont les meilleurs, ils font... Bon, d'accord, ils ont un petit peu peur des zombies, mais comme tout le monde, non? Si tu acceptes de jouer dans mon film, je t'embêterai pas pendant... 12 semaines. 8 semaines, sans compter les vacances. Marché conclu. On va au maquillage. Excusez-moi. Je me demandais si j'avais des répliques à dire dans ce film ou si je devais me contenter de faire... comme ça. Et si t'es pas content, tu peux partir, hein? Y a des centaines de zombies qui rêvent de ce rôle. Est-ce que le rat avec la guitare est là? Prêt à jouer de la gratte. Parfait. Écoutez tout le monde et les autres aussi. On reprend depuis le début. La légende de l'or perdu, c'est une première prise. On est prêt et... action! Restez bien assis. Je vais vous raconter l'histoire d'une ville. Cette ville avait un shérif qui ne voyait pas le crime autour de lui. Et toi, ça va dans la poubelle, ça? À l'aide! La bande des moustachus a dévalisé la banque! À l'aide! La bande des moustachus a dévalisé la bijouterie! Oh, pas de chewing-gum jeté dans la rue! Oh, arrête! La bande des moustachus a dévalisé le magasin de l'art! Vous avez intérêt à faire ce que je dis, je suis le shérif! Vous voyez mon bel insigne doré, là? Si j'étais shérif, je mettrais ces moustachus sous les verrous. Oui, mais bon, c'est Eddie Gourmand, le shérif de la ville. Alors désolé, mais je ne vois vraiment pas en quoi c'est notre problème. Arrête! La bande des moustachus! Elle a dévalisé ma pizzeria! Ça suffit! Là, ils sont allés trop loin! À travers la ville, les gens commençaient à se plaindre. Fallait que quelqu'un fasse quelque chose. Ils sont allés voir le maire pour qu'il nomme un nouveau shérif. Monsieur le maire, je vous en supplie, ne me renvoyez pas. J'adore être shérif. En plus, le costume est magnifique. Oh, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Je t'ai déjà donné une autre chance. Alors, une autre chance. S'il vous plaît, monsieur. Faites ce que vous avez à faire. La bande des moustachus a déjà dévalisé 8 banques, ainsi que 3 bijouteries. Et je ne vous parle pas de ce nouveau magasin au coin de la rue qui vend des glaces. Ils n'ont attaqué aucun de vos magasins, Doc Whipple. Ils le feront. Je suis l'homme le plus riche de la ville. Ce n'est qu'une question de temps. Ça va être à vous d'entrer en scène. Enfin, il était temps. Viens par là, toi. Désolé, shérif gourmand. Vous êtes viré.
J'ai justement les hommes qu'il vous faut pour le remplacer. Un shérif et ses deux adjoints. Clyde. Voilà Clyde. Lui et ses hommes sauront faire régner la loi dans cette ville. Oh, je n'en doute pas, mais j'ai déjà engagé quelqu'un d'autre. Oh, ma gueule! Me voilà, monsieur le maire. Je suis drôlement fier d'être votre nouveau shérif. Je vais coincer cette bande de moustachus sur le champ. C'est pas génial. Laissez-moi vous présenter mes adjoints. Venez les gars. Ta-da. Salut la compagnie. Vous avez engagé un chat et un chien comme adjoints. Vous devriez prendre mes hommes. Allons, calmez-vous, Doc Weeble. J'ai déjà offert le poste à Robocke. Mais s'il ne parvient pas à arrêter la bande des moustachus, je veux bien donner une chance à vos hommes. Je suis prêt à vous parier qu'ils n'arrêteront pas la bande des moustachus. Pas vrai, les gars? Ça, c'est certain, Doc. Shérif John, allons faire un tour du propriétaire. Ensuite, je vous donnerai le code du coffre où on garde les archives. Il faut absolument qu'on fasse renvoyer le nouveau shérif. Comme ça, vous prendrez sa place et moi, je pourrai enfin accéder à ce coffre-fort. Mais pourquoi? Il y a quoi dedans? Je te le dirai plus tard. Pour le moment, je veux que vous semiez le désordre dans toute la ville. Parfait. Entrez en scène, Darlene. Bonjour, Audie. Bonjour, Garfield. Ou devrais-je dire shérif adjoint Garfield? Bonjour, Miss Arlène. Je vous ai amené un cadeau. Comme c'est quelque chose qui se mange, je crois que vous aimerez bien ça. Tenez. C'est bien aimable de votre part, Miss Arlène. Mais en haut de la colline, on effrayait les vaches pour qu'elles sèment le chaos. Arrêtées, elles fonçaient tout droit vers le village. Ouais. Par la barbe de mon cheval, qu'est-ce qui se passe encore? C'est quoi ce bruit? Attention, les vaches sont dans la ville! Les vaches sont dans la ville! Soit elles veulent tout ouvrir un compte, soit quelqu'un essaie de semer la panique. Et faites quelque chose, c'est vous, shérif, pas vrai, shérif. Vous devez les arrêter. Les arrêter? Mais comment? Stop. Le shérif John va se faire écrabouiller. Pas si... réplique. Pas si son fidèle adjoint lui sauve la peau. Pas si son fidèle adjoint lui sauve la peau. Ah, c'est vraiment génial. Ouais. Attention, sens interdit. Tournez à gauche. Ah.
Après pas mal de détours, dans l'enclos, le troupeau était de retour. Toute la ville se retrouvait ravie, sauf Doc Whipple, qui était hors de lui. Vous n'êtes qu'une bande d'incompétents! Il faut qu'on fasse renvoyer ce nouveau shérif et ses imbéciles d'adjoints! Oh. Parfait. Eric, fais un gros plan sur Doc Whipple pendant sa prochaine réplique. On doit faire tout ça pour que vous ayez accès au coffre de Monsieur le maire? Qu'est-ce qu'il y a de si important à l'intérieur, Doc? Une carte. Une carte qui mène à un canyon rempli de pépites d'or. Dès que j'aurai récupéré cette carte, la ville tout entière m'appartiendra. Parfait! Ok! En groupe, 7 minutes de pause! Ah, je suis le nouveau Steven Spielberg. Non, non, désolé, on n'a plus besoin d'acteurs. C'est complet! C'est comme ça! Je sais, tout le monde rêve de jouer sous ma direction. Tu penses que le film va être bien, Squeak? Je sais pas. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Oui, tu as raison. Je devrais sans doute rajouter un truc qui en mette plein à la vue. Peut-être pas à ce point. Tu fais? J'apprends mon texte, mais je peux changer d'accent si tu veux. Oui, oui, très bien. On passe à la scène suivante. Attention, tout le monde en place. Alors, j'ai parlé à mon agent Bernie. Je lui ai dit Bernie, tu voudrais vraiment quoi? Non, mais ici, on n'a pas trop pas chaud. Vous saviez que Madame Chaudron avait gagné un prix d'interprétation et moi, j'ai rien eu. Oh, toi aussi, tu mérites un prix, Garfield. Allez, allez, tous sur le plateau. C'est fini déjà? On pourrait peut-être faire la scène qui explique ce qu'est le canyon doré. C'est toi le chef. Silence sur le plateau. Scène 24, bureau de Doc Whipple. Et action. Il faut qu'on arrive à faire renvoyer le nouveau shérif. Comme ça, je pourrai récupérer la carte qui mène au canyon doré. Le canyon doré. Vous voulez savoir ce qu'est le canyon doré? Les gens de la ville aiment bien raconter cette histoire. Celle d'un canyon qui serait rempli de pépites d'or. Seul un type y aurait déjà mis les pieds. En portant beaucoup d'or avec lui et même plus. Mais quelque chose le mit en fuite. Quelque chose de terrifiant. Il est revenu les mains vides et a raconté son histoire. Le shérif de l'époque récupéra le plan qui y mène et le mit dans un coffre où, paraît-il, il se trouve encore. Le code du coffre est 25-13-25. Je m'en souviendrai. Et il y a quoi dans ce coffre? Principalement des documents sans importance. À l'exception de ce plan. Le plan qui conduit au canyon doré. Le canyon doré? Il paraît que c'est rempli d'or là-bas. Je pensais que c'était une légende. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais le maire qui dirigeait la ville avant moi m'a demandé de ne jamais montrer le plan à des personnes qui voudraient s'emparer de l'or. C'est ce que lui avait dit le maire qui avait été élu avant lui. Et c'est le maire avant lui qui l'avait dit au maire d'encore avant. Cette carte pourrait nous attirer des ennuis. Je ne sais pas, elle servira sûrement un jour. Mais pour le moment, il faut s'assurer qu'elle reste en sécurité dans le coffre-fort. Surveillez mon bureau, fidèles adjoints. Je vais essayer de retrouver la bande des moustachus. J'ai une description détaillée de ces voyous. Ils portent des moustaches. Alors ça, j'aurais pas pensé moi-même. Écoutez-moi, tout le monde! On a besoin d'un nouveau shérif dans cette ville! Non, pas de moustache. C'est pas une blague, faut vraiment le remplacer. Il est là depuis bien trop longtemps. Mais ça fait seulement 20 minutes qu'il est là. Hein?
Ah bah, raison de plus, il n'a pas du tout assez d'expérience. Ce shérif ne sert à rien. La bande des moustachus a dévalisé la première banque de la ville, puis la deuxième banque de la ville, et même la troisième banque de la ville. Attendez une minute. Ils n'ont pas dévalisé la troisième banque de la ville. Ah oui, ça c'est pour demain. Ils sont forts, mais j'ai peut-être intérêt à recruter d'autres complices. Oh, Arlène, avec toutes ces émotions, j'ai pas eu le temps de voir ce que vous m'avez préparé de bon. J'espère que vous allez aimer. Servez-vous aussi, Audi, il y en a assez pour deux. Oh, voyons voir ce qu'il y a. J'espère juste que ça commence par un là et que ça finit par un lasagne. Non, je n'ai pas fait de lasagne. Comment, hein? Mais je vous ai préparé plein de bonnes choses. Du tofu, des épinards au yaourt, des hamburgers au soja avec du substitut de fromage, une petite salade de choux de Bruxelles et pour le dessert, des flans de riz bio sans sucre. Mais je croyais que vous m'aviez apporté à manger. Goûtez donc, c'est délicieux. C'est même très bon pour la santé. Et une fois que nous serons mariés... Mariés? Vous aurez la chance de manger ça tous les jours. Ça? Et trois fois par jour. Trois? C'est ça le déjeuner? Ben, je suis bien content de ne plus être chéri. Silence, on tourne ici. Je n'ai pas grand-chose à faire dans ce film. Oh, n'en parle pas, je me suis fait renvoyer à la troisième scène. J'aurais dû jouer un zombie, on en veut dans toutes les séries. Ils sont à la mode, eux. Si vous mangez sainement, vous serez en bonne santé. Et vous perdrez beaucoup de poids. Oui, mais j'aurai un petit peu moins de poignée d'amour. C'est pas tout ça, mais je dois y aller. Vous allez bientôt manger, hein? Ben oui, bien sûr. Et pour ce soir, je vais vous préparer de délicieuses côtes d'agneau végétariennes avec du quinoa aux gerbes d'épeautre. Ah, j'en rêve déjà. Fais attention, Audi, tu vas t'intoxiquer. Allez, on va chercher de la vraie nourriture. Dans cette ville, il n'y a qu'un seul endroit où on est sûr de faire un bon repas. Pour manger une bonne pizza, poussez la porte de chez Vito et installez-vous au bar. Parfois, les esprits s'échauffent et les discussions s'animent. Alors Vito demande à tous ceux qui entrent de laisser leur tarte à la porte. Hey, la dernière part de pizza est pour moi. Non, c'est la mienne. Me la fais pas, il y avait 8 parts et t'en as déjà mangé 4. Y a rien qui m'énerve plus que les gugus de ton genre qui se permettent de manger la part de pizza de quelqu'un d'autre. Ouais, tu me traites de gugus, hein? Arrêtez tout de suite, hein? Pas de ça dans le restaurant de Vito. Dehors! Et ne vous avisez pas de remettre les pieds ici, vilain cow-boy. J'espère que c'est pas comme ça qu'ils servent le dessert ici. Vito est toujours très strict sur les tartes à la crème. Ouais, c'est bon. Un petit dessert, un petit café. Oh, bonjour, shérif adjoint. Bienvenue chez Vito. Avez-vous des tartes à la crème sur vous? Si j'avais une tarte, je l'aurais déjà mangée. Alors installez-vous. Ce shérif adjoint adore la cuisine italienne, la spécialité de Vito. J'étais certain qu'il viendrait manger là. Tu sais ce qu'il te reste à faire et si tu échoues, j'ai engagé une nouvelle recrue qui devrait arriver d'une minute à l'autre maintenant. Laisse-le moi, Doc. Je m'occuperai de lui juste après mon spectacle. Oh, écoutez, Doc Whipple, ce n'est pas facile de salir la réputation de ce nouveau shérif et de ses adjoints. Vous continuez. Il faut à tout prix qu'on le fasse renvoyer. Non, pas de moustache ici. Je vais commander toute la carte avec toute la carte en supplément. Oh, et rajoute-moi toute la carte. Il prendra la même chose. Bah, je vais préparer votre déjeuner juste après le spectacle. Chers amis, bienvenue chez Vito. Laissez-moi vous présenter notre nouvelle attraction. La très séduisante Miss Kitty Kalin. Toi, public qui est fatigué, tu as passé une sale journée. C'est le moment de laisser aller, de rire et de chanter. Oublier un petit souci, retrouver tous tes amis dans la joie et la folie. Danse, danse.
tous toi aussi. C'est le moment de l'insouciance, de la musique et de la danse. Et que le spectacle commence. Un peu de rouge aux lèvres et aussi sur les joues. Un coloré zillou, des paillettes partout. Un spot, un vieux rideau et un gros chapeau mou. Le sourire aux lèvres et c'est déjà beaucoup. Chanson entraînante et jolie, qu'on chante ensemble tout au bout de la nuit. Et si dans tes yeux on voit un air ravi, lève-toi et viens danser, allez c'est reparti. Eh bien, bonjour, mon Minet. Je peux m'asseoir ici? Je crois que vous êtes déjà assise. Je suis le shérif adjoint Garfield et lui, c'est Oddie. Mais je sais très bien qui vous êtes. Est-ce que vous avez aimé mon spectacle? Je reconnais que vous avez un joli brin de voix, mademoiselle Kitty Kaline. Oh, t'as... oh, voilà ma pizza. Bon, bah, plus tard. Oh, oh, Garfield, regardez, c'est Bruno la brute, le matou le plus dangereux de l'Ouest. Faites attention, mon gros minou. Bienvenue, chef Vito, monsieur. Si ça vous dérange pas, il faudrait que vous laissiez vos tartes à la crème au vestiaire, s'il vous plaît. Grazie. Je suis là pour voir ce nouveau shérif à toi. C'est toi que je cherche, le chat. Il paraît que t'es le mangeur le plus rapide de l'Ouest. Oh, eh ben, faut pas se fier à tout ce qu'on entend. Les gens racontent parfois n'importe quoi. C'est moi le plus rapide. Excuse-moi. C'est moi le plus rapide et je vais le prouver. Je te mets au défi de manger des lasagnes plus vite que moi. Ça alors, c'est pas croyable. C'est ce qu'on va voir, Bruno. J'espère pour toi que tu es venu l'estomac vide. Allez, allez, sortez, on vous rappellera. Puisque c'est pas ça, je vais dire à mon agent. C'est ma maman, elle est trop née. Y a quelqu'un pour toi au téléphone, Normal? Je n'ai pas le temps de répondre au téléphone. On doit tourner le duel de mangeurs de lasagne. Mais c'est le producteur qui appelle. Bonjour, patron. Oui, tout va bien. Oh, ça va être le meilleur film de tous les temps. Oh, vraiment? Vous êtes sûr? Oui, oui, vous avez raison, patron. Il manque quelque chose. Oui, je vais changer ça. Au revoir. Il aime pas le film qu'on est en train de faire. Il dit qu'il manque quelque chose et il a raison. D'autres zombies? Non, j'ai déjà du mal à lui trouver un vrai rôle, à lui et à mes ninjas. Ils m'ont coûté cher, ces ninjas. Allez, tout le monde sur le plateau. On tourne la scène 33. Duel entre Garfield et Bruno la brute. Lumière, caméra, lasagne. Très bien. Ce concours va déterminer lequel de vous deux est le mangeur le plus rapide de l'Ouest. On sait tous qui va gagner. C'est le shérif adjoint Garfield. Donc calme, Rufus. Bon, vous connaissez les règles. Celui qui perd, il doit déménager à l'est du pays et devra manger des raisins secs toute sa vie. À vos marques, mangez! On est tous avec toi, Garfield.
Deux assiettes de lasagne. J'ai jamais vu quelqu'un manger des lasagnes aussi vite. Pendant toute l'heure qui suivit, les deux cow-boys ont dévoré des lasagnes sans relâche. Espérant secrètement que leur ventre n'explose pas. Et dire que je pourrais gagner ce concours au la main, oui, c'est sûr. Bruno fait une indigestion. Et le mangeur de lasagne le plus rapide de tout l'Ouest, c'est le shérif adjoint Garfield. Bravo, bravissimo. Garfield, vous avez gagné. Vous avez réussi à manger 637 parts de lasagne. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui. Bruno, tu comptes finir ton assiette? Je vais te mettre en bien. Qu'est-ce que vous faites? Qu'à lui dire, toi? C'est lui qui a commencé. Toi, tu vas voir si je t'attrape. Tu crois pas qu'on pourrait discuter calmement? Non, regarde ce que t'as fait. Tu viens de gagner 7 ans de malheur. S'il vous plaît, s'il vous plaît, moi c'est ma pizzeria. Hein? De la pâte à pizza. Coucou Bruno. Bah, où est-ce qu'il est passé? Qu'est-ce qui se passe? Qui a éteint la lumière? Oh, vous êtes mon héros, Garfield. Garfield, j'ai un petit cadeau pour vous. J'aimerais vous remercier pour votre bravoure et le maintien de l'ordre dans cette ville. Rejoignez-moi dans ma loge, dans 5 minutes. Excusez-moi, j'aimerais vous expliquer pourquoi le shérif et ses adjoints devraient être renvoyés. Devraient être renvoyés? Ce shérif adjoint Garfield est un véritable héros. Moi, je pense qu'il mérite une augmentation. Alors, Clyde, ça marche? Non, on dirait que tout le monde aime ce Garfield. On va devoir trouver un autre moyen de se débarrasser de lui. Zeke, Luc, vous êtes sûr que ça vaut le coup? Bah ouais, évidemment que ça vaut le coup. Doc Whipple, il nous donnera beaucoup d'or quand il aura trouvé la carte qui mène au Canyon Doré. Au Canyon Doré? Quelqu'un essaye de se rendre au Canyon Doré? Vous avez vu les 3 clowns là qui viennent de passer? Ils disent qu'ils veulent se rendre au Canyon Doré. Au Canyon Doré? Là où on ramasse de l'or sur le sol? C'est une légende! Mais pas du tout! Le Canyon Doré existe réellement! Ça, je peux vous l'assurer! Je suis bien placé pour le savoir vu que c'est moi qui l'ai découvert il y a près de 57 ans! S'ils réussissent à le retrouver, ils vont avoir une mauvaise surprise, sauf s'ils cherchent des bottes en peau de lézard. Des bottes en peau de lézard? Mais ce n'est pas du tout dans le scénario. Ah, mais c'est bien les comédiens, ça. Ils veulent jamais suivre ce qui est écrit. Hé, hé, hé! J'ai passé toute la nuit à écrire ça. Alors vous allez lire ce scénario. C'est quoi la scène suivante? Garfield rejoint Miss Kitty Kaline dans sa loge. Et il va y avoir la scène d'action avec la diligence aussi. Très bien.
mais j'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Oh. Arrête, tu ne devrais pas dire ça, voyou, écoute. Oui. Tu devineras jamais ce que j'ai entendu l'autre jour. Vas-y, raconte. Ma belle, c'est une perte de temps d'essayer de séduire le shérif adjoint Garfield. Il paraît qu'il en pince pour Arlène, l'institutrice. Je suis sûre qu'elle n'est pas du tout faite pour lui. Oh, eh bien j'ai entendu dire qu'il ne raffolait pas de sa cuisine. Elle lui prépare des plats équilibrés, alors qu'il aime, enfin, tu l'as déjà vu manger. Je lui souhaite bien du courage. Qu'est-ce qui dit, Camille? Je suis là comme promis. Oui. Ma quelle pagaille! Et ça m'apprendra à accepter des jouets dans des westerns. Excusez-moi, des gens dehors m'ont dit que le shérif adjoint Garfield se trouvait ici. Je lui ai préparé un petit goûter pour son 4 heures. C'est un pain au chocolat, sans beurre, sans sucre, sans pain, aux extraits de soja. Ah, si vous cherchez Garfield, je crois qu'il est là-haut, dans les loges. Merci. Alors comme ça, vous avez un petit cadeau pour moi? Oui. Vous êtes un véritable héros, Garfield. Ce que vous avez fait tout à l'heure, ça m'a inspiré une petite chanson. Une chanson? Ah, je pensais que ça se mangerait, moi. Vous allez adorer ma petite chanson. Hey! De la dernière pluie, je ne suis pas née. Des matous, ça, j'en ai vu passer. Des grands, des minces, des beaux et des tapis. À la fin, l'aide est tout jetée. Oh. Mais toi, si tu veux bien de moi, avec toi là, je veux bien jouer au chat. Je te cuirai des nouilles, des lasagnes et du pâte. On sera des papouilles, je serai ta petite chatte. De le dire, ça m'épate, j'en ai le poil qui se dresse. Prends-moi donc dans tes pattes, fais de moi ta princesse. Et maintenant, est-ce qu'on pourrait parler du coffre-fort qu'il y a dans le bureau du shérif? Il y a quelque chose que j'aime. Est-ce que le shérif adjoint Garfield est là? Je sens... Oh, je vois que je dérange. Oh, Arlène, attendez, c'est pas ce que vous croyez. Oh, laissez-la partir. Elle vous préparait des plats diététiques. Moi, je vous cuisinerai des lasagnes. Dites au shérif adjoint Garfield que je ne veux plus jamais le revoir. Je vais monter dans une diligence et je vais quitter cette misérable ville pour toujours. Pas de moustache. On dirait que cette bande de moustachus ne sort que pour dévaliser les banques. Miss Arlène! Miss Arlène! Attendez! Une diligence? Pour quitter la ville? Audi, il faut que je fasse quelque chose. Le shérif adjoint Garfield s'apprête à monter dans une diligence. Une diligence? Mais alors ça, c'est parfait pour se débarrasser de ce vilain matou. Allez, fini la causette, on a du pain sur la planche. Messieurs, sortez vos moustaches. Allez, montez à bord, ma petite dame. On dirait bien que vous êtes ma seule passagère. On va partir dans quelques minutes. Merci beaucoup. Bon, on n'a plus qu'à saboter la diligence et on sera débarrassé de Garfield. Et comment on fait pour saboter une diligence? Eh, moi je sais, je conduisais ce genre d'engin avant. Je connais un petit secret pour rendre les chevaux complètement fous. Il suffit de faire ce bruit-là. Hey, attendez! Hey, comment je vais conduire, moi, hein? Mais regarde ce que t'as fait, espèce d'imbécile! Ouais, le
shérif adjoint Garfield n'est même pas à l'intérieur. Oh ben là, je suis désolé. C'est mon film. Trop tard. La diligence est déjà partie. Non. Coupez. Elle est bonne. On va prendre 5 minutes de pause. Ah bah j'ai eu chaud. Désolé les gars, je sais que vous apparaissez dans quelques épisodes de la série, mais j'ai beau regarder dans le scénario, j'ai pas de rôle pour vous. Il manque quelque chose à ce film. Peut-être que je pourrais avoir besoin de Théros, en fait. Je vais vous trouver un rôle. Et vous, préparez-vous, c'est bientôt votre grande scène. Voilà, c'est ça. Et moi toi aussi. Garfield, prépare-toi à tourner la scène de la diligence. D'ailleurs, justement, je voulais t'en parler. Je suis la star de ce film et je dois faire mes propres cascades. Mais c'est pour le réalisme. Et puis, c'est plus authentique. Et puis aussi parce que j'ai dépensé tout mon argent pour me payer des ninjas. Et tu penses pas qu'on pourrait utiliser des doublures en images de synthèse? Tu sais, ça se fait de nos jours. Tu trouves pas ça ringard, les images de synthèse, toi? Oh si, c'est vrai. T'as raison. Allez, silence sur le plateau. Ça va, c'est pour vous, les ninjas. Bon, tu te souviens, tu es sur le point de te faire écraser par une diligence. Normal. Qu'est-ce que je dois faire déjà dans cette scène? Ton objectif, c'est d'éviter de te faire écrabouiller par la diligence. Compris. Voilà, parfait. En place. C'est parti, action! Garfield, Garfield, à l'aide! Hein? Vite, Audi! Allez, on va la rattraper en prenant un raccourci! Garfield! Évidemment qu'il y a un autre raccourci. On est dans un film de cow-boy. Il y a toujours un raccourci au raccourci. Heureusement que j'ai pris ma carte avec tous les raccourcis de la ville. Faut qu'on prenne le boulevard du Cactus, c'est où ça? Je vais essayer de me renseigner. Excusez-moi, vous savez où est le boulevard du Cactus? C'est gentil, merci. Salut Arlène, vous faites un tour de diligence? Ça a l'air rigolo. Garfield, sauvez-moi! Hé, visez un peu. Tu vois cette diligence? Waouh! Écoute, Eddie, je suis le héros de ce film. Ça veut dire que je dois faire au moins une chose stupide dedans. Et là, je crois que c'est le moment. C'est mon film. C'est parti. Oui. Je fais quoi maintenant? Pourquoi ne commenceriez-vous pas par détacher les chevaux? Oh, j'aurais pu y penser tout seul. Enfin, je crois. Très bien, je détache les chevaux. Tu sais ce qui va arriver à la diligence? J'en ai aucune idée, mais je suis content de plus avoir à la tuer. Garfield, comment on va s'arrêter maintenant? Aucune inquiétude, Miss Arlène. Comme il n'y a plus de chevaux pour la tirer, la diligence va s'arrêter d'elle-même très rapidement, vous verrez. Sauf, bien sûr, si on se retrouve en haut d'une grosse pente. Voilà nos héros vraiment dans le pétrin. Dans une diligence, fonçant sur le chemin, sans tout essayer pour stopper le machin. Mais elle a rien à faire que subir son destin. Il y a
vraiment peu de chances qu'ils s'en tirent. Surtout qu'il n'y a plus personne pour conduire. Ils vont finir à six bons pieds sous terre. La diligence fonce un vrai train d'enfer. Détruit à cause de leur passage. Un truc à savoir pour te rendre plus sage. Quand tu dois prendre un moyen de transport, regarde bien s'il y a un conducteur. Ah, cette chanson est super géniale. En plus, le refrain est très entraînant, vous trouvez pas? Je crois qu'il disait pour construction. Arlène, je voulais vous dire, cette Kitty n'a aucune importance pour moi. Enfin, quoi qu'elle avait l'air de s'y connaître en macaroni. Ça devait pas se passer de cette façon, je crois. Il est où le scénario? Alors voyons voir ce qui est écrit, c'est du béton. Bande de moustaches, bagarre, chez bâtonnier. Ah, voilà. Ensuite, la diligence, elle tombe au fond du ravin et puis elle explose en mille morceaux. Non. On aperçoit un arbre au bord du ravin. Garfield et Arlène sont accrochés à une branche qu'ils ont réussi à attraper in extremis. Merci, Garfield. Je ferai n'importe quoi pour vous, Miss Arlène. Même manger mes plats diététiques? J'ai dit même manger mes plats diététiques? Je crois que je vais y réfléchir. Oh! On est désolé, Doc. On a essayé de se débarrasser de Garfield. Mais ça n'a pas marché. Peu importe. On va se servir de cet accident de diligence pour faire renvoyer le shérif Arbuckle. Laissez faire les professionnels. Hein? Mais moi aussi, je suis content de te voir. Il s'est passé quelque chose pendant mon absence? Qu'est-ce qu'il dit? Il paraît qu'il y a une manifestation sur la Grand Place. Alors je vous le demande, mes très chers concitoyens. Quand cette maudite diligence était lâchée hors de tout contrôle dans la ville, est-ce que le shérif Arbuckle a levé le petit doigt pour l'arrêter? Et dites-moi, est-ce qu'il a réussi à attraper la bande des moustachus qui sévit depuis si longtemps? Et pourtant, il avait tout le temps dont il avait besoin. N'est-il pas le shérif de cette ville depuis déjà presque 7h30? La bande des moustachus est une menace pour notre ville. Et si le shérif John ne peut rien faire, alors il nous faut un nouveau shérif. Et il faut aussi de nouveaux adjoints. Écoutez, je sais que je suis nouveau, mais... Vous avez attrapé la bande des moustachus? Non, mais peut-être que si. Est-ce que vous avez arrêté cette diligence à temps? Non. Mais mon adjoint a réussi à... Et qu'avez-vous à dire sur l'augmentation du prix des barres chocolatées? Quoi? Il a raison. Les barres chocolatées sont devenues beaucoup trop chères. Et le prix des chapeaux a augmenté aussi. Mais mon restaurant, moi, il a été saccagé à cause d'une bagarre. Et moi, je peux être le nouveau shérif. Attendez. Je fais de mon mieux. Adi, quelque chose me dit qu'on va devoir se trouver un nouveau travail. Je suis vraiment désolé, Arbuckle, mais les habitants de la ville ne me laissent pas le choix. Je comprends, monsieur le maire. Voilà mon insigne, celui de Garfield et celui d'Audi. Si ça ne vous dérange pas, je vais sortir prendre l'air quelques instants. Pas du tout, d'autant plus que vous n'avez plus rien à faire ici. Voilà votre insigne, shérif Clyde. Et le vôtre, shérif adjoint Zeke. Et le vôtre, shérif adjoint Luke. Je vous confie le bureau du shérif. Excusez-moi, monsieur le maire. Vous n'auriez pas oublié de transmettre un petit quelque chose? Vous savez bien, la combinaison magique qui ouvre le coffre-fort. C'est tellement triste. Vous trouvez ça triste, vous? On voit bien que vous n'avez pas vu la suite.
Sous les étoiles, dans la nuit bleue, et remonter en scène. Sous la pluie, sous le soleil, bien loin de vos villes, bien trop agitées. Je comprends qu'ici est la vraie liberté. Retenu. Oui, bien sûr, le code c'est 25 13 25. C'est ça. N'oubliez pas, ne donnez le code à personne et prenez bien soin de la carte. Non, on laissera jamais quelqu'un toucher à la carte qui mène au canyon doré. Pas vrai, les gars? Non, pas du tout, c'est pas notre genre. Ça. Alors, bonne nuit. Merci, bonne nuit à vous, monsieur le maire. On a la carte! On a la carte qui va nous mener au trésor! J'ai la carte qui mène au canyon rempli d'or. On partira demain à l'aube. Et le soir venu, eh bien, je serai l'homme le plus riche de tout le Far West. Et coupé! Bravo tout le monde! C'est l'heure d'aller casser la croûte! Enfin! Voilà la première bonne idée de la journée. Tu veux quelque chose? Pas tout de suite. Je viens d'avoir une idée, une brillante idée. Une idée si géniale que je me demande pourquoi je ne l'ai pas eue avant. Je sais de quoi ce film a besoin. Ce dont tous les films ont besoin d'ailleurs. Ce qui va garantir un immense succès à mon colossal chef-d'œuvre. Ah oui, vraiment? Et c'est quoi? C'est... moi! Mais moi, tout ce que je veux, c'est le voir pour lui demander s'il n'a pas un petit rôle pour moi. Je suis désolée, il est au téléphone avec le producteur du film. Ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé la personne qui va sauver le film. C'est la plus grande célébrité du monde. Devinez qui c'est? Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui non plus. Encore un essai? Faux et encore faux, c'est moi. D'accord. Oui, ben, riez autant que vous voulez, hein. Tiens, tu pourras raccrocher quand il aura fini de rire. J'ai un film à finir, moi. Scène suivante. Scène numéro je sais plus quoi. Première prise. Bon, il faut que j'enfile mon costume de lumière. Le lendemain matin, Doc Whipple se préparait à ramasser tout l'or qu'il allait trouver. Il était prêt à devenir l'homme le plus riche du monde grâce à la carte qu'il avait volée. Dites-toc, pourquoi on a besoin d'autant de chariots? Parce qu'on va revenir chargé d'une quantité scandaleuse d'or. Et t'as une idée de l'endroit où ils vont? Il faut que je trouve un nouveau travail. J'espère que ça me servira d'avoir été shérif pendant quelques heures. Doc Whipple prépare quelque chose. Et ce quelque chose me rappelle la cuisine de John. Ça sent pas bon. Vous? Je peux entrer? Vous n'êtes pas avec Doc Whipple? Vous savez, j'ai compris que vous travaillez pour lui. Non, plus maintenant. Mais je sais absolument tout ce qu'il manigance. Tout. Je vais tout vous raconter. Je n'ai pas supporté de voir tout ce qu'il a fait subir à ce pauvre shérif John. Tout ça, ce n'était qu'une ruse pour récupérer la carte qui mène au canyon doré. Ah, il faut que j'en parle à John. Alors comme ça, ils mettent de fausses moustaches pour dévaliser les banques. Il faut absolument que je réussisse à les rattraper sur le champ. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas où est le canyon doré. Moi, je sais. Rufus?
Comment tu pourrais savoir ça, toi? Parce que c'est moi qui l'ai découvert il y a 57 ans. Rufus, tu crois que tu pourrais nous y emmener? C'est très important. Bien sûr, mais je n'y mettrai pas les pieds pour tout l'or du monde. Ça grouille de lézards là-bas. Et moi, je déteste les lézards. Hein? Je vais chercher mon équipement et on y va. Oh! Nermal, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es pas plutôt censé être derrière la caméra? Quand John a chanté qu'il avait toujours voulu être un cow-boy, j'ai compris que j'avais toujours voulu être star de cinéma. Alors? Tu sais monter à cheval? Non, mais je compte pas y aller à cheval. Moi, je me déplace avec style. Nermal, voyons, il n'y avait pas de limousine au temps des cow-boys. Et alors, il n'y avait pas de zombies ni de ninjas et encore moins de chats qui parlent. Bon, ça, je te l'accorde. Au milieu du désert, Doc Whipple essayait tant bien que mal de déchiffrer la carte. Faire demi-tour après le lac. Continue sur 100 mètres et prends le 8e cactus sur la gauche. Gentil d'avoir pensé au plateau repas. Non, faut dire merci au producteur. Encore un demi-kilomètre, puis il faut tourner après le rocher. Moi, en tout cas, je ne descends pas de la voiture. Il y a beaucoup trop de lézards là-bas. Hein? Je sais pas trop si quelques petits lézards de rien du tout vont empêcher Doc Whipple de prendre tout l'or. Alors que Doc Whipple était presque arrivé, il allait enfin avoir la réponse à la question qu'il se posait. Est-ce qu'il y a vraiment de l'or dans cette vallée? Bon, alors, la carte dit qu'il faut qu'on se glisse dans cette crevasse. Va falloir se faire tout petit pour passer. Attends, je vais te tirer. C'est brillant. Oh, de l'or, des montagnes d'or, de l'or partout, comme le dit la légende. Regardez tout cet or, il est à moi. Je ne pense pas. Tu ne pourras pas en profiter une fois en prison. Et tu veux bien me dire qui va nous arrêter? C'est Clyde, le nouveau shérif, à ce que je sache. Et tous les deux, on est ses adjoints. Peut-être, mais quand le maire apprendra que c'est vous, la bande des moustachus qui sème la panique dans la ville... Je suis sûr qu'il trouvera quelqu'un pour vous arrêter. Avec ou sans un signe? Oui, parce que nous, on n'a pas besoin d'un signe. Au nom de la loi, on vous arrête. Oh que non, messieurs. Ah, elles sont chargées. Oui, on dirait bien. J'aurais dû me douter qu'ils n'allaient pas se laisser faire. Personne ne m'empêchera de récupérer cet or. C'est quoi ça? Alors là, j'en crois pas mes yeux. C'est pour ça qu'il appelle des lézards. C'est carrément génial! C'est juste ce dont mon film avait besoin! Des dinosaures! Pourquoi j'y ai pas pensé? Je crois qu'ils vont pas traîner dans le coin! Nermal, tu savais pas qu'il y avait des dinosaures dans ton film? Eh ben... Je croyais que t'avais écrit le scénario, moi! J'ai demandé à quelqu'un de l'écrire pour moi. Il fait des films de science-fiction, normalement. Mais il aurait quand même pu me prévenir. On laisse tomber l'or, Whipple. Bonne idée. On sort d'ici. Quoi? Laissez tomber l'or? Jamais. Ah! 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 Ah
Aidez-moi! Il va falloir que tu lances cet or. Très bien! Très bien! Alors, vous comprenez pourquoi je n'aime pas les lézards? Alors là, c'est la dernière fois que je paye quelqu'un pour écrire un film à ma place. Hé, arrêtez-nous! On laisse tomber! Mettez-nous les menottes, on voudrait se rendre, shérif! Je ne suis pas le shérif. Oh, tu le redeviendras très bientôt. Dis, je crois qu'on va récupérer notre insigne. Alors, comme ça, les gros lézards restèrent à garder le canyon doré. Parfois, il y a certaines histoires qu'on ferait mieux de ne pas raconter. Ouais, de ne pas raconter. Wow! Le vieux Doc Whipple et sa bande furent envoyés à l'ombre pour quelque temps. Et John retrouva sa place en tant que shérif. Peut-être que certains rêves allaient enfin se réaliser. Hey, super ta chanson. Merci. J'espère qu'elle sera sur la bande originale du film. Alors les filles, comme ça vous êtes devenues amies toutes les deux. Eh oui, pourquoi pas? On partage un point commun. On vous admire beaucoup, shérif adjoint Garfield. Et je trouve que vous faites un très joli couple, Arlène et vous. Alors, vous en pensez quoi, patron? Pas de sortie au cinéma? Ah, directement en vidéo. D'accord. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il manque quelque chose à la fin. Ça n'a pas suffi, les dinosaures. Très bien, bon, ben, comme vous voulez, c'est vous le patron. Vous savez ce qui me ferait vraiment plaisir, shérif adjoint Garfield? Ce serait que vous surveilliez votre alimentation et aussi que vous mangiez moins. D'accord. À partir de maintenant, je ne mangerai plus que du pâté de tofu, des légumes et des galettes de quinoa. Eh, hey, faut pas croire ce que je dis, hein, c'est un film. Rien de ce que je dis n'est vrai. Ça fait partie de mon rôle. D'ailleurs, on a fini de tourner, non? Non! Le producteur veut qu'on change la fin. Ouais. Est-ce que quelqu'un a vu mon zombie? Super! Et mes ninjas? On demande des ninjas sur le plateau! Et les tyrostéros sur le plateau! Et moi, je veux venir aussi! Eh, hey, ne m'oubliez pas! Bon, on va aussi ramener les dinosaures! Je sens que ça va être le meilleur film jamais réalisé. Alors, est-ce que ça vous a plu? J'espère que vous vous êtes bien divertis. D'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes ici. Mais pour bien terminer toute cette histoire, nous aimerions vous chanter. Au revoir! À très bientôt, cher public adoré. Et déjà, vous nous manquez. Que la magie dure encore, chantons tous haut et fort. Et ne perdons pas la cadence, entrez avec nous dans la danse. C'est bon de s'amuser, de rire et de chanter, de danser et de sauter en avant sur le côté. Sur les lèvres un sourire et au cœur de la joie, ça fait des souvenirs jusqu'à la prochaine fois. J'ai toujours voulu être un cowboy.